Appel à l'unité et renforcement de la cohésion nationale, le président de la République a reçu les représentants des communautés Hutu et Tutsi congolais. Au menu des échanges, plusieurs questions concernant la nation. Vous suivrez les détails dans le journal. COP27 en Égypte, la délégation congolaise déploie une intense activité à Sharm el-Sheikh pour la VPM de l'environnement Efba Zaïba. L'heure est à l'action pour le respect des engagements pris par les grands pollueurs. Bienvenue à cette édition du journal, mesdames et messieurs, qui part de cette information. En marge de la COP27 qui se déroule à Sharm el-Sheikh, en Égypte, le premier ministre Samuel Kondé multiplie des échanges. Il a reçu une délégation de l'équipe de pilotage, du projet Red Maïndombe, qui a un important projet qui est mis en œuvre à Inongo et qui vise la réduction effective des émissions de gaz à effet de serre sur l'ensemble de la province de Maïndombe par l'extension des investissements sectoriels. Suivez le porte-parole de cette structure avec cet élément. Nous sommes venus présenter à son excellence, monsieur le Premier ministre, nos activités dans le cadre du projet Maïndombe Red Plus de réduction des émissions dans les territoires d'Inongo, et aussi présenter nos perspectives pour le développement des nouveaux projets dans l'ensemble de la République démocratique du Congo. Nous avons également fait notre bilan de nos activités depuis 2011 à la signature du contrat jusqu'à aujourd'hui en présence de M. Hassan de la CNRED qui certifie non seulement pour la République démocratique du Congo les crédits carbone et aussi qui regarde les ventes que nous avons effectuées pour le compte de la République. Et nous avons également parlé de bénéfices que nous sommes en train de payer pour le gouvernement dans le cadre des ventes de crédits qu'on vient d'effectuer. Le Premier ministre a reçu notre projet avec beaucoup d'enthousiasme et il a promis qu'on puisse se revoir à Kinshasa pour approfondir la question. C'est vrai que c'est un domaine tout nouveau qui est très porteur en République démocratique du Congo à cause de la taille de la forêt. On va rester en Égypte pour l'Afrique et particulièrement la République démocratique du Congo, considérée à juste titre comme pays solution au réchauffement climatique. L'heure des promesses et des discours est révolue. Il faut passer à l'action par le respect des engagements financiers pris par tous les pays pollueurs. C'est l'une des attentes de cette 27e COP qui se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte. Pour l'Afrique et particulièrement la République démocratique du Congo, considérée à juste titre comme pays solution au réchauffement climatique, l'ère des promesses et des discours est révolue. Il faut maintenant et pas demain passer à l'action par le respect des engagements financiers pris par tous les pays pollueurs. C'est l'une des attentes 27e COP qui se tient à Sharm el-Sheikh en Égypte. Depuis le pays des pharaons, la vice-première ministre et ministre en charge de l'environnement et développement durable, Efba Zaïba Massoudi, a vanté les potentiels forestiers que dispose la RDC à tous les participants. Potentiel qui lui donne les statuts très convoités des pays solutions. Solution mondiale parce que nous regorgeons des 10% des réserves des eaux douces du monde et nous avons 52% des réserves des eaux douces de l'Afrique. Et c'est vrai, il y a toutes ces richesses, mais il y a aussi la population. Un pays avec 2 345 444 km² et environ 120 millions d'habitants, 51,8% des femmes et environ 68% des jeunes. Donc nous sommes un pays capable de donner une réponse pour l'avenir. Profitant de l'occasion ainsi offerte, Efba Zaïba a donné sa réaction face à la proposition faite par les pays pollueurs de transformer les fonds verts sur le climat en aide au développement. Ici à la COP27, nous sommes tout aussi préoccupés par la mise en œuvre. On est fatigué des promesses, on est fatigué des engagements, on est fatigué des discours. La population congolaise, elle est prête à préserver, elle est prête déjà, elle préserve les forêts et le potentiel environnemental pour l'humanité. Autant elle demande de l'alternative.
ce qui est tout à fait normal. Nous ne voulons pas que cette alternative, cette convention, nous vienne en format aide au développement. Il s'est dénoté que le Fonds vert pour le climat a été créé en 2009 lors de la COP de Copenhague. Il a pour objectif de financer des projets d'atténuation des gaz à effet de serre et des projets d'adaptation dans les pays les plus vulnérables pour aider les populations fragiles face aux effets néfastes du réchauffement climatique. Le fonds est alimenté par les contributions des pays développés grâce aux énergies fossiles, mais qui sont aussi des pays pollueurs à hauteur de 100 milliards de dollars américains par an, à compter de 2020. Mais malheureusement, les décaissements dans les comptes des bénéficiaires se font toujours attendre. Voilà, justement sur la question du climat, nous avons ici sur ce plateau un invité, Monsieur François Mombia Atuku, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Vous êtes à la tête du réseau d'information et d'appui aux ONG en République démocratique du Congo, en sigle RIAO. Déjà, première question, on va vous poser. La RDC est présentée aujourd'hui comme pays solution, c'est même le cas au niveau de la COP 27, mais l'humanité semble un peu faire la sourde oreille par rapport aux événements tragiques qui se passent à l'est du Congo. N'est-ce pas ça un peu un paradoxe? Un paradoxe macabre. Ça donne l'impression de la présence de notre ministre de l'Environnement là-bas, tous les travaux, toutes les promesses que le Congo est en train de distiller, ou les autorités congolaises, le gouvernement congolais, je voulais dire. Pour moi, ça ressemble un peu à un paradoxe tel que ça brûle chez toi et tu vas éteindre le feu ailleurs. Mais pour la communauté internationale, c'est juste ce sont des sapeurs-pompiers. Aujourd'hui, on parle de fonds verts depuis 2009. À l'année 2009 même, il s'est créé au monde, les grandes puissances ont créé des fonds de développement. Puis c'est 2008, c'était des crises financières, crise alimentaire mondiale. Il fallait créer des fonds pour aider les pays pauvres et puis surendettés afin d'essayer de relever un peu les économies. Mais qu'est-ce que nous avons vu? Il y a des sociétés qui ont été financées par ces banques de développement, des gros financements de hauteur de 488 millions, 288 millions, comme c'est le cas du PHC ici. Mais les fonds destinés à l'amélioration des conditions de niveau de vie des populations dans leur entité d'exploitation, fonds totalement détournés. On n'a pas vu école, on n'a pas vu route, on n'a pas vu hôpitaux, rien. La misère a son exacerbation, les salaires, c'est là. Ça paye juste une pauvreté. Aujourd'hui, c'est l'humanité qui parle encore de... On parle de changement, réchauffement planétaire, tout ça. Mais nous nous sommes battus vers les années 2001, 2002, 2002 avec la Banque mondiale. Je suis parmi les signataires de la première plainte des organisations congolaises au panel d'inspection de la Banque mondiale. Puisque le problème était, la Banque mondiale a un programme JEF, c'est pour protéger l'environnement et les écosystèmes forestiers. Et la Banque mondiale même a un autre programme pour financer les grandes sociétés multinationales qui coupent les bois. Voilà. On a déposé une plainte, on a effectué même une mission. J'étais parmi les signataires. J'ai accompagné Mme Alexandre à l'époque, c'était la chargée de sécurité de la Banque mondiale à Washington. Je l'ai accompagné avec le feu procès Kankone Mukadi. C'était lui le chargé de l'environnement pour la Banque mondiale ici au Congo. On est allé à Beni, dans le parc de Virunga. Et on arrive là-bas, on a trouvé que la Banque mondiale avait quand même donné 1 million de dollars américains à même de permettre à toutes les communautés qui vivaient dans le parc de Virunga de sortir de là afin qu'on puisse les construire des maisons le long de route et tout ça. Ok. Et il y avait même des plantations de café, de cacao, des autochtones qui étaient totalement ravagés, mais tous les fonds ont été détournés par l'ICCN. Justement, par rapport aux questions, surtout des financements pour les populations autochtones, les participants à la conférence des Nations Unies sur le climat demandent à la RDC de ne pas exploiter ces forêts sans mettre la main dans la poche, justement, vous savez bien comme moi, pour que le pays et surtout les populations autochtones puissent, les propriétaires des dites forêts qui vivent dans les fassures. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette recommandation qui veut que on arrête un peu d'exploiter nos forêts? Non, au fait, le problème c'est quoi? Arrêter d'exploiter les forêts, c'est une paire de manches. Okay. Mais l'autre paire de manches, c'est toutes ces politiques-là de protection de l'environnement, des aires protégées, tout ça. Les grands paradoxes, je vais les dire tout de suite, on interdit aux ayants droit, aux communautés locales, aux communautés, comme on peut dire, villageoises ou comment,
aux ayants droit d'exploiter leurs forêts, vous voyez, d'exploiter leurs eaux douces, on les interdit totalement. Mais ce qu'on trouve, c'est quoi? Par exemple, là, le parc de Virunga, mais c'est une société d'exploitation, c'est pétrolière belge qui est venue s'installer après avoir déguerpi les pygmées et les jeter le long des routes. Partout, c'est le même paradoxe. Vous voyez, c'est un peu comme, on est en train de, je viens de le dire tantôt, la RDC pays solution, tout ça, un pays solution alors que chez nous ça brille. Pourquoi nous, il y a que le Congo, il y a que l'Afrique qui apporte des solutions pour les multiples problèmes donc, auxquels sont habités les Occidentaux. Mais les Occidentaux viennent chez nous toujours en retard. On peut même dire que ce sont toujours et derrière tout ce qui se passe comme de main noire. Mais dans ça, est-ce que vous ne voyez pas qu'il y a ce phénomène, de cette scène justement de la trinité coloniale qui se répète? À l'époque, on parlait de l'Église, et des puissances. La trinité coloniale, c'était les grandes puissances coloniales, et l'Église, les églises et puis les multinationales. Aujourd'hui, ils ont essayé juste de changer un peu les choses, puisqu'ils ont compris que la réalité religieuse est tout à fait dénudée, elle est toute nue. On comprend tout de suite qu'ils ne sont pas venus nous apprendre, ils sont venus chercher l'argent sous une autre forme et tout ça, nous estorquer de tous nos biens. Et ce sont les organisations aujourd'hui qui viennent au nom des droits humains, de respect, de protection de l'environnement pour nous estorquer de nos forêts, s'accaparer totalement de nos terres et de nos forêts. C'est ça la réalité, c'est ça le paradoxe. Nous sommes conscients. Aujourd'hui, ce sont les mêmes... J'ai parlé des sapeurs-pompiers tantôt. Ce sont les mêmes personnes qui ont ravagé nos forêts. Alors que nous, on s'est battu ici, Safoubois, Soformas, Sucobois, toutes sortes de sociétés d'exploitation forestière de grande puissance ici au pays qui ne respectent même pas les cahiers de charges des villageois. Et on s'est battu, on leur disait toujours, nous avons transmis des rapports aux Nations Unies, Banque mondiale, le groupe Carpe, tout ça, WWF, VVF, on a tout fait, mon frère. Mais c'était sous d'oreille face au protocole de Kyoto. Okay. Et aujourd'hui, les conséquences sont là, c'est encore les Congolais, c'est encore les Africains qui payent. Nous avons payé de nos bois, mon frère. Les bois, c'est de l'or vert. C'est une très grande richesse, les Congolais sont pauvres. On nous interdit de exploiter nos forêts alors que nous sommes pauvres. Mais on ne fait rien pour nous. Lorsqu'il y a un problème en Ukraine, c'est toute la terre qui s'élève. Allez-y comprendre. À l'Est, c'est plus de 20 millions. C'est plus qu'un génocide, je vous dis. Mais personne, la communauté internationale, le monde ne se réunit jamais pour plaire les pauvres. Non, on laisse les morts enterrer leurs morts. Mais lorsqu'il y a des morts chez eux, c'est riches. Comme le cas de Charlie Hebdo. Voilà. Il y a eu quelque chose à Paris et tous les présidents africains sont allés plaire avec là-bas. Les Français. On ne refuse pas de plaire le mort, on est africain. Mais franchement, ce qui se passe, c'est un manque de sérieux parfois de la part de nos autorités. C'est ça le problème. Bon, on va parler, vous avez récemment publié un communiqué où vous avez dit... vous avez fait un constat que les dirigeants, les Occidentaux donnent aux dirigeants 500 millions de dollars américains en charge de nos arbres, en échange de nos arbres et des grandes valeurs écologiques. Est-ce que trouvez-vous que cette somme est suffisante? En fait, c'est encore l'esclavagisme, c'est encore la colonisation, c'est compliqué, ça saute aux yeux. Comment voulez-vous qu'on vienne chez moi, on exploite ma forêt? Il y a des bois parfaits, toutes sortes de bois qui sont là, qui coûtent énormément cher. On donne l'argent, les Occidentaux viennent, les sociétés multinationales occidentales d'exploitation forestière, de destruction de nos forêts, viennent pour s'apporter comme ça des bois de valeur de 10 milliards, de combien de milliards ça fait des années aujourd'hui. Mais quand on vient pour donner le fonds biocarbone, ce qui est très grave, on donne le fonds vert. L'Afrique du Sud, c'est juste le désert de Kalahari là-bas. Et puis le Rwanda et d'autres pays. Je ne vois pas ce qui est là-bas. Donc là-bas, on donne plus d'argent. Mais pour les pays qui donnent tout, la vache à lait, en tout cas, on donne moins. On donne juste... C'est ça le paradoxe. Et nos autorités acceptent. Je me demande... J'ai vu la ministre, c'est ma propre sœur. Elle est originaire de chez moi. Les arbres de ses ancêtres sont complètement détruits. Mais on se demande... ils sont en train de crier. Nous, donc, elle a dit tout de suite qu'elle est en train de crier, tout ça, il y a sourd d'oreille. Mais lorsque les autres font sourd d'oreille, mais vous allez là-bas pour faire quoi? Servir des enjoliveurs ou donc comment? Donc, pour vous, il ne fallait pas partir. On ne peut pas aller là-bas alors que nous plairons les morts ici chez nous. Allez, ça ne se passe jamais. Mon frère, tu as ta femme qui est morte, ton fils qui est décédé. Tu sors pour aller enterrer le fils d'un frère. On te prendra pour qui si ce n'est pas un sorcier.
C'est un paradoxe. C'est pas normal. On en a assez. Qu'ils prennent les choses au sérieux. En tout cas, aujourd'hui, tout le monde parle de la certification des forêts. Encore que cette certification des forêts s'est faite, les villageois ne sont même pas sensibilisés. Ils ne savent pas c'est quoi la certification. On vient distiller de fausses promesses. Vos forêts ne seront plus exploitées. Tout ça. On ne leur parle même pas des fonds biocarbone. Les fonds verts, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour certifier les forêts? Il y a même certains de nos dirigeants qui sont reprochés de déporter les organisations occidentales comme ADRA qui va aller certifier des forêts dans les territoires de Bassoko en plein cœur de la forêt du bassin du Congo. Mais on reproche aussi aux Congolais ou à la République démocratique du Congo de ne pas concocter des projets bancables qui peuvent faire en sorte que nous soyons financés comme c'est le cas avec l'Afrique du Sud. En fait, c'est toujours ça, non? Les prétextes ne manquent jamais. On vient dans ma forêt, on prend 100 projets. Quand ils viennent pour prendre nos forêts, pour créer des réserves naturelles, tout ça, ils ont créé les réserves de le Makoyo Kokala. Moi, j'avais dit à Jeff Dupin de la WWF ici, c'est une organisation américaine de protection de l'environnement, entre guillemets. Okay. Lorsqu'on parle de protéger l'environnement, c'est juste une manière de s'accaparer, de spolier les richesses africaines. Mais on a dit à Jeff que vous venez apprendre à la population mongo, des chasseurs, des pêcheurs de nature, vous les apprenez à élever des porcs pour récupérer toute leur faune et leur flore. Et aujourd'hui, où en sommes-nous? 2 mois seulement, les petits porcs, tout le monde, ça s'est volatilisé, mais aujourd'hui, les forêts sont restées pour les Occidentaux. Ça s'appelle réserve naturelle de l'Omakoye Kokala. Donc, à vous entendre parler, est-ce qu'on ne peut pas parler aujourd'hui c'est d'une stratégie des Occidentaux et des multinationales en fait, pour essayer un peu de s'accaparer rien n'a changé. Rien n'a changé. Peut-être c'est la même voiture. Il y a juste les conducteurs qui changent. Et l'autre fois, c'était la traite négrière. Après, nous sommes passés à la colonisation avec des mains coupées pour créer des... On a fabriqué des caoutchoucs, ceci, cela. Et aujourd'hui, nous sommes dans les nouveaux systèmes. Le nouveau système consiste à parler de protection. Or, la réalité sur terre, c'est de s'accaparer des richesses des pauvres. Voilà, c'est ça la réalité. Et tout ce qu'on peut demander, c'est de nous prendre en charge. En tout cas, les peuples congolais doivent se prendre en charge. Et le gouvernement congolais nous aide. Allez-y comprendre que la COP est là, la COP 27. On a fait des interventions ici que tout le monde a préféré, quand même apprécié. Aujourd'hui, je voyage pour le Canada. Il y a COP 15 là-bas, à Montréal. Mais COP 27, qui a été peut-être plus ou moins organisée par mon propre gouvernement, je ne suis pas là-bas. Tout le monde ne peut pas y aller, nous savons. Mais le problème, ce qui est vrai, est que l'État congolais doit voir 2-3 fois ce qui se passe en réalité. On ne peut pas se laisser faire comme ça. Si ça ne dépendait que de moi, notre ministre, le gouvernement congolais, n'allait pas participer à ces concerts-là. Ça ne sert à rien. Jusqu'à ce qu'ils prennent le Congo au sérieux. Jusqu'à ce qu'on prenne le Congo au sérieux, j'ai retenu aussi un mot ou des mots que vous avez sortis, c'est que le Congo doit se prendre en charge sur ces questions. En tout et pour tout, pas seulement sur cette question. Merci beaucoup, monsieur Jean-François Mombia, d'être passé à ce journal sur Géopolis Télévision. Merci beaucoup. Bon, on va continuer avec l'actualité. Quelques notables des communautés Hutu et Tutsi congolais ont été reçus par le président Félix Tshisekedi. Dans un élan patriotique, ils ont exprimé leur attachement à la RDC. Cette rencontre vient également battre en brèche la rumeur qui veut que quelques communautés soient en marge de la société congolaise. Suivez. National Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a, dans un souci de préserver la cohésion nationale, reçu tour à tour à la Cité de l'Union africaine les représentants des communautés Hutu et Tutsi, parmi lesquels des sénateurs et députés nationaux et provinciaux. Avec ses interlocuteurs, le chef de l'État, père de la nation, a échangé sur les voies et moyens de renforcer l'unité nationale qui recommande, comme il l'a souligné dans son message à la nation, de bannir des fléaux, des discriminations ethniques, des stigmatisations physiques, du délit des fascis et des velléités séparatistes de certains esprits égarés. Les représentants des deux communautés sont venus apporter leur soutien total au chef de l'État. Ils l'ont remercié pour son appel à la mobilisation générale et ont réaffirmé leur amour du pays, leur engagement à défendre la souveraineté nationale. Les notables Hutu ont vivement salué
l'engagement et la détermination du président de la République dans la recherche des solutions de restaurer la paix dans l'est du pays. Les représentants de la communauté Tutsi ont pour leur part condamné ceux parmi eux qui ont pris les armes contre la patrie. Ils ont dénoncé l'amalgame fait entre Tutsi congolais et les terroristes du M23. Ils se disent fidèles à leur pays, la RDC, et rejettent les manipulations du Rwanda qui imposent une guerre injuste à la République démocratique du Congo. On va rester un peu sur ces questions liées à l'insécurité à l'Est. Les pourvoyeurs en armes des groupes armés en RDC pourraient se voir infliger des sanctions de l'ONU. C'est ce qu'a annoncé le président du comité des sanctions des Nations Unies, selon Michel Xavier Biang. Il faut cependant des preuves documentées pour déterminer avec précision les coupables à punir. Patrick Kilunga pour les détails. Pour une grande partie des Congolais, le Conseil de sécurité doit être mis devant ce qui ressemble à une contradiction notoire de sa part. Comment expliquer que l'ONU reconnaisse que les groupes armés, notamment le M23, bénéficient d'un soutien en armes, sans remonter à celui qui fournit des munitions aux rebelles pour le sanctionner? Cette épineuse question a été posée au président du comité de sanctions de l'ONU qui séjourne en RDC. Michel Xavier Biang a assuré que toute entité ou toute autorité qui soutient les groupes armés, opérant notamment à l'est de la RDC, peut être sanctionnée par le Conseil de sécurité des Nations Unies si tous les faits sont documentés. Fin des citations. Le diplomate d'origine gabonaise a expliqué que c'est même la raison du séjour des membres du Conseil de sécurité au Congo. Michel Xavier a également déclaré que l'équipe du Conseil de sécurité devrait se rendre aussi dans les pays de la sous-région des Grands Lacs afin de recueillir le maximum d'informations sur l'appui que reçoivent les groupes armés, dont le M23. En RDC, plusieurs espèrent que le Conseil de sécurité va sanctionner le Rwanda, pays dont le soutien aux terroristes du M23 n'est plus un secret. Il y a quelques semaines, le secrétaire général des Nations Unies avait reconnu que les rebelles du M23 reçoivent bien des munitions. Antonio Guterres avait subtilement évité de désigner le pourvoyeur de ces munitions. On va changer des registres pour parler des hydrocarbures. Le ministre de tutelle Didier Boudimbou a décidé de la destruction des stations-service ainsi que des maisons construites de manière anarchique à Kinshasa en connivence avec le ministre de l'Urbanisme et Habitat, puis Mobilouf, Blessid Kouzola. Le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou, et son collègue de l'Urbanisme et Habitat, Pius Mobilouf, ont ordonné la démolition et la destruction de toutes les stations-service et des habitations construites de manière anarchique à Kinshasa. C'est ce qui ressort d'une dépêche de la cellule de communication du ministère des Hydrocarbures, c'est jeudi 10 novembre 2022. D'après la même source, cette décision conjointe a été prise à l'issue d'une mission d'inspection organisée par ces deux membres du gouvernement le lundi 7 novembre dernier dans le district de la Tchang. Sur terrain, les deux ministres ont noté plusieurs constructions anarchiques qui constituent un risque permanent pour la population dans la commune de Njili à Sekomaf. D'où la prise de décisions urgentes en vue de sécuriser les vies humaines, notamment la fermeture de ces stations-service ainsi que l'interpellation de responsables de celle-ci par les services de deux ministères. Notons qu'au mois de juillet dernier, le président Félix Tshisekedi avait exprimé son inquiétude suite à la prolifération des stations à Kinshasa. Au cours de ces mêmes mois, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou, avait rapporté dans un conseil des ministres que la capitale congolaise compte 245 stations, dont 204 opérationnelles, 21 en construction et 20 en arrêt. On va parler des préparatifs des élections en RDC. Le premier vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Bienvenue Ilanga Lembo, a reçu dans son bureau de travail une délégation de la Conférence des Églises de toute l'Afrique CETA en sigle. Le processus électoral était au centre de ces échanges. Voldi Kengi. Assisté du deuxième vice-président Didi Manara Linga, cet entretien s'est appesanti autour du processus électoral en cours qui se pointe à l'horizon. Cette délégation a été conduite par son vice-président, révérend Martin Blaise Niaboo, accompagné du révérend pasteur Eric Tsenga, porte-parole de l'Église du Christ au Congo. Au sortir de l'audience, les vice-présidents de la CETA, les révérends Martin Blaise Niaboo, en a expliqué l'objet. Nous sommes venus pour une visite de solidarité auprès de l'Église du Christ au Congo.
Et nous avons eu le privilège de visiter la Commission nationale électorale indépendante. Et nous avons été bien accueillis par le premier vice-président avec qui nous avons échangé sur le processus électoral en cours en République démocratique du Congo. Nous lui avons souhaité plein succès. Nous savons les défis, les challenges, nous savons les obstacles dans l'organisation des élections. Mais nous sommes venus témoigner par notre présence, notre soutien, notre accompagnement dans la prière et dans le plaidoyer. La fin de ces échanges a été marquée par une communication spirituelle pour l'évaluation de l'âme vers Dieu en vue d'obtenir des grâces afin de conduire toutes actions vers son aboutissement. La délégation de la CETA séjournait en RDC dans le cadre de sa mission de consolidation de la paix et de la sécurité au niveau continental. Et puis en justice, il s'est tenu ce vendredi à la Cour constitutionnelle une audience publique conduite par son président Dieudonné Kamouleta, une audience consacrée à l'interprétation de certains articles de l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février relative à la répression des infractions flagrantes, mais aussi de l'interprétation de l'article 110 alinéa 6 de la Constitution. La Haute Cour a rendu ses arrêts y relatifs. Patience Loquet qui était là pour le reportage avec le commentaire de Voldy Kengi. La Cour constitutionnelle a siégé ce vendredi 11 novembre en matière d'appréciation de la conformité d'introduction et de contrôle de la constitutionnalité. Appelé à son audience plusieurs affaires, notamment la R-Const 1745 et aussi la R-Const 1766. La première requête relève l'inconstitutionnalité des articles 1 et 6 de l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février relative à la répression des infractions flagrantes soulevées par messieurs Chilobola, Moulumba et Rakli. Après lecture du procès verbal, la Cour a rendu son arrêt quant à ces. La Cour constitutionnelle siégeant en matière de contrôle de constitutionnalité, après avoir entendu le procureur général en son avis, se déclare compétente pour examiner l'exception soulevée, la déclare recevable mais l'a dit non fondée. Ordonne à la Cour d'appel de Kinshasa Gombe de poursuivre l'instruction de la cause sous RP 799 dit qu'il n'y a pas lieu à paiement des frais d'instance. Dit en outre que le présent arrêt sera signifié au parti, à la Cour d'appel de Kinshasa Gombe, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat, au Premier ministre, et qu'il sera publié au journal officiel de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au bulletin des arrêts de la Cour. Quant à la requête du président de l'Assemblée provinciale de Maniema, relative à l'interprétation de l'article 110 de la Constitution de la RDC du 20 janvier 2011, la Haute Cour dit avoir pris acte de cette requête et promet de notifier au président de deux chambres de Parlement. Après avoir entendu le procureur général en son avis, dit qu'elle est compétente, dit que la requête est recevable, dit prendre acte du désistement de la requérante, dit n'y avoir pas lieu à paiement des frais d'instance, dit que le présent arrêt sera signifié à la présidente de l'Assemblée provinciale du Maniema, au président de la République, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au Premier ministre. Signalons que plusieurs autres requêtes ont été traitées par la Cour au cours de cette audience. Autre chose à présent, sur instruction du président de la République, Félix Tshisekedi, une réunion tripartite d'urgence s'est tenue ce jeudi entre le vice-premier ministre de l'Intérieur, Daniel Asselo, le gouverneur de la ville, Jean-Tini Ngobila, ainsi que les bourgmestres de toutes les 24 communes de la ville de Kinshasa. Il était question d'étudier les possibilités de mettre fin aux éventuelles inondations auxquelles la ville de Kinshasa a fait face. Enoch Issei. Problématique des inondations dans la ville de Kinshasa préoccupe au plus haut niveau les autorités du pays. C'est jeudi 10 novembre 2022, sur instruction du chef de l'État, Félix Tshisekedi, le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité, Daniel Asselo, a tenu une réunion avec le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jean-Tini Ngobila, et tous les bourgmestres des communes. Objectif, identifier les causes des inondations et définir des mesures drastiques pour mettre fin à ces phénomènes. Parmi les causes des inondations identifiées,
L'on citerait notamment le débordement des cours d'eau, le refoulement des eaux du fleuve Congo vers ses affluents, les tentes des immondices qui jonchent les rues de la capitale, le manque de curage régulier des caniveaux, collecteurs et d'autres ouvrages d'assainissement par l'Office des voiries et drainages. Daniel Asselo en appelle à la mise en place d'un plan de la ville afin d'y faire face. Il a aussi requis du gouverneur de la ville de Kinshasa le courage dans l'application stricte et rigoureuse des plans de la ville, même là où toute résistance se présenterait, et des bourgmestres de la ville, leur implication dans les travaux d'assainissement de leurs communes respectives. Pour ce faire, Jean-Tin Ngobila parle de la mise en œuvre d'une commission afin de trouver des solutions à court, moyen et à long terme. À nous de mettre en place une commission qui va réfléchir, qui va aussi faire des propositions pour éradiquer donc ces phénomènes. Par ailleurs, le chef de l'exécutif provincial a demandé au bourgmestre de répertorier tous les endroits considérés être à l'origine de ces dégâts dans leurs communes respectives. Réflexion que nous considérons du reste comme une instruction. C'est donc en toute responsabilité que nous nous voyons associés à ce travail que nous allons exécuter sans ménager aucun effort. Pour y parvenir, très bientôt, l'opération de démolition des constructions anarchiques va s'étendre dans toutes les communes. On va parler du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire dans ce journal, bien que pas tout à fait d'accord avec la décision du comité de gestion de l'UNIKIN de suspendre la grève. L'association des professeurs de l'Université de Kinshasa a pu qu'il continue de négocier avec différentes institutions du pays pour arriver à la suspension ou à la levée de la grève. C'est ainsi qu'une assemblée générale extraordinaire de la PUKIN est convoquée le mardi 15 novembre afin d'évaluer cette grève qui n'a que trop duré. Suivez le rapporteur de la PUKIN, il était avec Gisèle Malamba. Dire qu'on est en désaccord avec le comité de gestion, je pense que c'est trop dire. Peut-être on est dans une différence d'approche parce que nous, les professeurs de l'université, c'est nous qui avons décrété la grève. Et nous sommes, c'est le syndicat qui est le seul organe compétent d'élever la grève qu'il a décrétée. Mais réellement, le recteur est dans ses fonctions de tous les jours, voulant que les activités se passent normalement sur les campus. Mais comment les faire? Est-ce qu'il faut imposer aux gens qui exercent un droit constitutionnel d'enseigner? C'est un peu peut-être cette différence d'approche. Mais pour le reste, ce que je peux confirmer, c'est que le comité de gestion et le comité exécutif de la PUKIN se sont mis d'accord depuis ce matin pour discuter et imaginer de quelle manière on peut arriver à suspendre ou à lever la grève de manière consensuelle afin qu'à la fois nous puissions obtenir la cohésion. Bon, il faut préciser que toutes les revendications de la PUKIN ont reçu un avis favorable du gouvernement. Et nous avons rencontré même les premiers d'entre les membres du gouvernement, donc les premiers ministres. Il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, nous avons rencontré le président de l'Assemblée nationale qui a reçu mission de l'autorité suprême d'accompagner le premier ministre dans les efforts tendant à trouver solution au problème des professeurs. Donc, ces éléments-là encouragent, mais comme nous voulons le dire, nous souhaitons que n'infisque que le gouvernement affiche quelques petits signes de bonne foi, et nous, de notre côté, nous tiendrons compte des climats sociopolitiques de l'heure pour que nous puissions arriver à une solution pour satisfaire nos étudiants. Comme il y a une assemblée générale de la PUKIN convoquée pour le mardi, nous nous sommes dit qu'aujourd'hui jeudi, aujourd'hui vendredi, demain samedi, dimanche jusqu'à lundi, nous allons nous mettre ensemble
pour toquer toutes les portes qui restent afin de chercher à arracher une solution. Et pour le reste, nous allons demander aux uns et aux autres et à toutes les instances de consentir le sacrifice à quelque niveau que ce soit pour que nous puissions trouver un rapprochement. Boldam font une belle entrée dans la CAN senior de la spécialité qui est à sa 25e édition après sa victoire face au Cap-Vert 27-19 à Dakar au Sénégal. Blessed Kuzola. Le Léopard Dam Handball de la République démocratique du Congo se sont imposés 27-19 devant le Rakan Bleu du Cap-Vert ce jeudi 10 novembre 2022 à la Dakar Arena de Diamna Dio au Sénégal pour la première journée de la 25e édition du championnat d'Afrique des Nations. Cette compétition a démarré depuis le mercredi 9 novembre dernier. Une entrée réussie pour les Fauves congolaises qui lancent de belle manière sa campagne africaine. Un peu à la peine à l'entame, les Congolaises ont réussi à renverser la tendance pour remporter largement la première période 13-8, avant d'asseoir complètement leur domination au retour des vestiaires avec 8 points d'avance que leur adversaire. Un succès qui permet aux Léopards de prendre un bon départ pour la suite de cette compétition. Auteur d'une très belle prestation, Mélissa Mwamba de RDC a été élue meilleure joueuse du match. La RDC logée dans le groupe B avec le Cap-Vert, l'Algérie qu'elle affrontera la deuxième journée, puis viendra l'Angola tenante du titre. Pour rappel, 13 équipes nationales africaines féminines de handball participent à cette édition de la Coupe d'Afrique des Nations, réparties en 3 groupes de 4 et 5 équipes. Les deux premières de chaque groupe ainsi que les deux meilleurs troisièmes de l'ensemble de groupes seront qualifiées pour le quart de finale. Mesdames et messieurs, vous suivez la grande édition sur Géopolis Télévision maintenant. On fait place à la page internationale. Le Gabon a enregistré un taux d'inflation de 3,5% à fin juin 2022. Ce niveau qui est au-dessus du seuil de convergence CEMAC est néanmoins sous contrôle d'après les prévisions sur l'inflation au niveau mondial en 2022 du Fonds monétaire international. Édouard Founda. L'inflation au Gabon a franchi les critères de convergence régionale de la CEMAC qui est de 3% à fin juin 2022 d'après la note de conjoncture du ministère de l'économie. Le niveau d'inflation a ainsi atteint 3,5%. Cette hausse concerne notamment les prix des denrées alimentaires qui ont cru de 2,3%. Toutefois, l'inflation est sous contrôle au Gabon. Le Fonds monétaire international classe le Gabon sur la liste des pays au monde les moins touchés par l'inflation en 2022. À en croire les économistes, cette bonne performance du Gabon s'explique par la structure de son économie, mais aussi par les mesures mises en place par le gouvernement afin de limiter les hausses des prix et préserver le pouvoir d'achat des ménages. Par ailleurs, le taux d'inflation dans la zone CEMAC est projeté à 5,2% à fin 2022. Pour tenter de juguler ce niveau d'inflation annoncé, la Banque des États de l'Afrique centrale a une nouvelle fois revu à la hausse deux de ses principaux taux directeurs qui passent de 4% à 4,5% s'agissant du taux d'intérêt des appels d'offres et de 5,75% à 6,25% pour celui du taux de la facilité des prêts marginaux. C'est avec cette information sur le Gabon que nous mettons un terme à ce journal, mais avant de nous quitter, je vous rappelle les titres. Appel à l'unité et renforcement de la cohésion nationale, le président de la République Félix Tshisekedi a reçu le représentant des communautés Tutsi et Hutu congolais au menu des échanges. Plusieurs questions concernant la nation, vous avez suivi dans ce journal. COP27 en Égypte, la délégation congolaise déploie une intense activité à Sharm el-Sheikh pour la VPM de l'environnement F. Bazaïba, l'heure est à l'action pour le respect des engagements pris par le pays grand pollueur. C'est ici que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.